Alors voilà, je vais vous parler maintenant des deux cartes qui sont la porte et l'amour. Pardon, la clé, la clé, la clé, la clé, la porte, la clé, la porte, la clé. Ces deux cartes-là sont hyper symboliques, puisqu'évidemment, une porte est ouverte grâce à une clé, et une clé peut ouvrir une porte. Alors évidemment, les portes, on en a aussi dans notre vie, c'est-à-dire qu'à chaque choix qu'on fait, on ouvre une porte. Et à chaque choix qu'on ne fait pas, on peut en fermer une autre. Donc, ce sont deux cartes hyper symboliques et qui, quand elles sont associées, signifient simplement qu'en réalité, on est sur un chemin dans lequel, inévitablement, des portes vont s'ouvrir. Alors, pour rappel, quand les cartes sont associées, c'est quand soit elles sont l'une à côté de l'autre dans un tirage, soit quand elles sont l'une proche de l'autre, soit quand vous recouvrez le jeu pour avoir des détails. Par exemple, vous tirez celle-là, puis vous voulez un détail et vous recouvrez avec ça. Donc, ce sont des associations de cartes. La clé et la porte traduisent clairement le fait que, bon, par rapport à la situation que la personne vit, ben, elle est tout à fait sur son chemin de compréhension et qu'à partir de là, elle va devoir, on va dire, vivre la situation jusqu'au bout pour pouvoir soit fermer une porte, et ça dépendra des cartes environnantes. En général, l'oméga est très souvent là quand il faut fermer une porte, et le alpha est très souvent là quand on passe à autre chose. Évidemment, une porte qui se ferme, c'est toujours une porte qui s'ouvre aussi un peu plus loin. Et donc à partir du moment où ces deux cartes sont l'une à côté de l'autre, ça signifie que la personne va devoir vivre cette situation jusqu'au bout pour pouvoir comprendre, avancer et enfin passer à autre chose. Évidemment, la clé, c'est aussi la croix de vie égyptienne. Et cette croix de vie symbolise la destinée et symbolise donc tout ça. Ça veut dire que la personne est vraiment sur son chemin d'évolution par rapport au choix d'incarnation qu'elle a fait, par rapport aux décisions qu'elle a prises avant de s'incarner pour son chemin d'évolution. Et donc tout ça fait que ces deux cartes sont hyper symboliques dans un jeu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la question, il y a inévitablement, quand ces deux cartes sont les unes à côté des autres, un chemin de compréhension et une évolution qui va suivre. Un chemin de compréhension, une évolution. Un chemin de compréhension, une évolution. Et avec tout ça, la personne va enfin pouvoir avancer dans son cheminement, peut-être voir les choses différemment, parce que quand on passe une porte, finalement, on peut aussi se retourner de temps à autre en se disant, tiens, j'ai quand même parcouru tout ça, tiens, j'ai quand même réussi tout ça, et donc peut-être aider cette personne à se motiver à vivre une situation, parce que d'office, inévitablement, il y a quelque chose derrière qui sera plus positif pour elle, puisque ce sont deux cartes quand même relativement très positives. Donc ces deux cartes sont vraiment la symbolique d'un chemin qui s'achève pour aller vers autre chose, encore plus si la carte Oméga est pas loin, mais je vais pas faire des associations avec 50 cartes parce que j'ai que deux mains. Et donc tout ça pour dire que quand ces deux cartes sortent dans un jeu, vous pouvez assurer à cette personne, ou même à vous-même si le tirage est pour vous, que c'est quelque chose à vivre pour aller vers un mieux et qu'inévitablement, ça va amener à des prises de conscience, à ce genre de choses. Donc ça, c'est pour la carte porte plus clé. À bientôt.